Merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment un honneur de parler tout de suite après M. Caron. Ici, on va vous présenter aujourd'hui 3 ans de recherche qu'on a fait à la ferme. Samuel nous a contacté le 7 avril pour démarrer un projet pour intégrer les engrais verts sur son entreprise. Pardon, je prends... Donc, le projet qu'on a monté avec Samuel, c'est vraiment sous l'approche recherche-action. Donc, l'approche recherche-action, en réalité, ce que ça nous a permis de faire, c'est vraiment faire de l'acquisition de données simples sur le terrain. Donc, c'est rien de, comment dire, c'est pas un dispositif qui nous permet de faire des statistiques en bloc aléatoire complet, par exemple. Donc, c'est un dispositif par transect. Où est-ce qu'on a des grandes bandes et on prend les échantillons à 3 endroits dans le champ. Donc, c'est un dispositif là, qui est plutôt inspiré de la foresterie. Donc, ça nous a aussi permis de faire l'acquisition de données techniques, d'implanter les pratiques à grande échelle, puis aussi de faire des démonstrations à la ferme. Donc, on a préparé là, 3 demi-journées là, au cours des 3 années pour montrer les différents essais qu'on a faits. Donc, la recherche-action, en réalité, comment ça s'est articulé dans notre projet, c'est qu'à chaque année, on partait avec un postulat de départ, on montait nos protocoles, on élaborait nos traitements, on fait l'implantation au champ, on a des nouvelles observations et on n'est pas fixé dans ce protocole-là puis dans ces traitements-là. À chaque année, on peut rebâtir sur les nouvelles données, puis qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour faire évoluer nos traitements au fil du temps. Donc, l'autre année, on arrive avec nos nouveaux éléments de réponse, on les intègre et on repart ainsi de suite. Donc, Samuel, je vais te laisser présenter un petit peu l'entreprise. Oui, donc pour compléter un peu de ce qui a été dit, dans le fond, la ferme Procuteur Probio, initialement, le Procuteur, c'est une ferme qui est en production de pommes de terre depuis 1960. Fait que c'est vraiment un historique de production de pommes de terre conventionnelle. Donc, ça a eu les effets qu'on peut connaître sur nos sols. En fait, là, on a des sols qui étaient variables, qui sont variables, mais qui sont quand même dégradés. Donc, en 2022, c'est 260 hectares conventionnels et 140 qui étaient en production biologique. Comme ça a été mentionné, là, on a voulu un peu diversifier aussi la production, les productions sur la ferme. Donc, on a intégré la patate douce bio à la ferme avec des céréales, entre autres, pour compléter la rotation avec les pommes de terre. C'est quelque chose qui est encore en évolution, là, parce que, comme mentionné, on s'en va en production 100% bio en 2023. On essaie d'intégrer les innovations conception mécanique là, dans nos projets. La santé des sols, c'est vraiment au cœur de notre projet de transition bio. On sait qu'il faut améliorer la qualité de nos sols pour réussir en bio. Donc, c'est un peu ça, la ferme. Super. Donc, le projet qu'on a monté, ça a été financé par le programme Prime Vert, par la direction, plus précisément la direction régionale de Centre du Québec. Eux, ils ont vraiment déterminé que c'était le meilleur véhicule, là, le volet 2.1, malgré le fait qu'on n'était pas dans un projet vraiment qui intégrait plusieurs producteurs, mais que justement, comme il y avait peu de projets dans la pomme de terre, puis qu'on allait faire autant de diffusion, bien que ça avait quand même suffisamment de portée, une portée collective puis environnementale là, pour aller de l'avant et pour accepter un peu là, le concept de recherche-action qu'on proposait. Donc, ils nous ont permis de faire vraiment de l'acquisition de données au travers de ça, chose qui n'est pas cadrée normalement dans ce programme-là. Donc, on a séparé notre projet en 3 essais. Samuel voulait vraiment implanter les engrais verts partout dans le système autant que possible. Fait que notre premier essai, c'était les cultures en dérobée. Donc, après la récolte de la pomme de terre. 2e essai, les cultures intercalaires dans la pomme de terre. Honnêtement, on pensait pas vraiment que c'était possible. Et puis, notre 3e essai, c'était les engrais verts pleine saison. Donc, on prend une saison complète là, où est-ce qu'on n'a pas de récolte commerciale. On a seulement l'engrais vert.
Donc, notre premier essai, je vais essayer d'aller vite là, dans les essais pour laisser parler Samuel le plus possible là, sur comment ça s'est transposé à grande échelle dans l'entreprise. Donc, chaque année du projet, pour l'essai 1, on avait l'implantation à l'automne et puis au printemps, on allait revoir là, qu'est-ce qui s'était passé avec nos engrais verts et puis on avait la prise de données de la récolte de... Non, excusez-moi, j'ai rien dit. Donc, c'est ça, on avait les prises de mesures au printemps, à l'automne après l'implantation et au printemps suivant. Donc, c'est principalement là, c'est les profils à la bêche. Donc, on a fait ça 3 années d'affilée. Donc, profil à la bêche, évaluation visuelle de l'érosion et pourcentage de couverture de sol par les cultures de couverture. Le principal problème dans la culture de pommes de terre par rapport à laisser les sols à nu durant l'hiver, c'est les problèmes d'érosion hydrique et éolien. Donc, chez Samuel en particulier, là, il y avait au printemps des problèmes de tempête de sable là, assez importants. Donc, ça ici, Samuel, c'est la machine que vous avez conçue à la ferme. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Bien, en fait, c'est un bel exemple. Je pense que c'est le plus bel exemple du principe de recherche-action là, que Sophie mentionnait. C'est que on a constaté, en fait, c'était quoi les défis par rapport à couvrir les sols après la récolte de pommes de terre. Là, c'est vraiment pas une pratique qui se fait là, beaucoup là, sur les fermes au Québec. Fait qu'on a été capable de, au fil des ans... amasser les contraintes, si on veut, pour pouvoir s'auto-construire un système qui nous permettait vraiment d'implanter systématiquement des cultures de couverture après la récolte de pommes de terre. Fait que c'est ça, c'est un bel exemple. Ça a donné ce semoir-là là, qui fait à la fois un travail de sol suite à la récolte, donc avec un chisel qui nivelle le sol, puis ensuite qui ensemence directement les cultures. Oui. Donc, en fait, là, ce semoir amovible, là, donc la partie arrière, elle peut se fixer soit un chisel ou soit une déchaumeuse. Et puis, les unités semeuses à l'arrière là, permettent vraiment un contact sol-semence impeccable. Donc, on a vraiment une très, très bonne qualité de semis qui est indispensable à l'établissement rapide de l'engrais vert à l'automne. Parce que si on fait seulement un engrais vert à la volée ou un petit engrais vert qu'on enfouit à la déchaumeuse pour aller rapidement, bien, on n'arrive pas à faire des engrais verts de qualité là, comme on va vous montrer. Donc, ici, c'est la situation initiale. Donc, à chaque année, on se laissait quand même une bande témoin là, qui n'était pas ensemencée d'engrais verts. Donc, on voit un sol très dégradé, une compaction très lamellaire de surface. Là, c'est une compaction qui va assez profondément. Puis, on voit aussi là, toutes les rigoles là, où est-ce que peut s'accumuler beaucoup d'eau et de particules de sol dégradées qui sont vraiment très propices à l'érosion dans ce cas-là. Dans les photos là, que je vais vous présenter de l'essai 1, c'est les photos de la dernière année, donc on n'a pas les céréales de printemps, mais sachez que dans les autres années, on avait essayé des céréales de printemps. Puis pour la qualité des enracinements que vous allez vite comprendre que c'est vraiment intéressant d'avoir des céréales d'automne. Donc dernière année, en la première série de photos, on est au 19 novembre, donc à l'automne, et la série de photos du bas, on est au printemps. Donc on voit là, que la qualité du couvert qu'on arrive à générer à l'automne se répercute au printemps. Donc ça, c'est notre première date de semis qui est au 15 septembre. Ensuite, on a les profils de sol qui sont associés aux deux moments de l'année. Donc on a vraiment des... je ne sais pas, avec l'éclairage, on ne voit pas si bien que ça. Mais on a des enracinements là, qui vont facilement jusqu'à 30 cm, autant au printemps qu'à l'automne. Ici, on a notre deuxième date de semis. Donc on a semé ici vers le 1er octobre. Donc, même concept, on a les photos à l'automne et au printemps. Ici, on a nos profils de sol. Donc, ici, je trouvais ça intéressant là, de voir la veste velue là, qui réussit quand même à faire des beaux enracinements, là, malgré que c'est une petite légumineuse là, qui a la réputation au Québec de ne pas survivre en hiver. Donc, selon la méthode d'implantation, nous, on a bien démontré là, que c'était très, très possible à cultiver. Et ici, la dernière implantation au 15 octobre. Donc, normalement, on dit toujours au 15 octobre, il est rendu trop tard pour faire des cultures de couverture. Nous, on constate le contraire. On réussit quand même à maintenir nos particules de sol. Nos particules de sol se déplacent quand même moins
si on a un engrais vert que si on n'a rien du tout. Donc, c'est comme si juste l'effet du semoir puis l'effet qu'il y a beaucoup de petits plants sur le rang, dans la petite, le petit renfoncement que crée le semoir, bien, c'est suffisant à contenir l'érosion autant hydrique qu'éolienne. Donc, ici, on a nos profils de sol à l'automne et au printemps. Donc, même si on a implanté très tard, on a quand même maintenu un enracinement dans le sol qui continue à venir structurer nos agrégats puis à venir défoncer notre compaction aussi. Ici, c'était juste une photo intéressante, je trouvais, à montrer. Donc, on a un témoin en sol nu qui a quand même une bonne population de choux gras. Mais juste à côté, on avait le traitement qui était orge et pois à l'automne précédent. Donc, on voit un apport d'azote là, qui était probablement très, très important, qui a fait en sorte que nos choux gras ont vraiment levé en plus grand nombre, puis qui étaient beaucoup plus vigoureux aussi. Donc, dans une approche là, de contrôle des mauvaises herbes, d'avoir des levées au printemps qui sont vraiment importantes de la mauvaise herbe, ça peut avoir des avantages là, certains, compte tenu qu'on va aller faire des faux semis. Donc, Samuel, je vais te laisser présenter un peu les conclusions de l'essai 1. Bon, fait que pour cet essai-là, en conclusion, ce qu'on s'est rendu compte, c'est vraiment si la qualité de l'implantation est là. Je pense que, surtout avec le sec d'automne, on a vraiment intérêt à, comme Sophie l'a dit, à semer le sec, même si on est rendu, par exemple, au 15 ou même 20 octobre. Même s'il n'y a pas beaucoup de... Visiblement, on voit plus l'effet des racines, en fait, là, qui viennent tenir le sol. Donc, nous, ça a carrément réglé, en fait, nos problèmes d'érosion éolienne qui étaient assez majeurs là, sur la ferme. On voit un effet, même dans ce court laps de temps-là, au niveau de la restructuration du sol aussi. On a aussi pu tester des cultures qui ne survivent pas à l'hiver, qui étaient très adaptées pour la production de la patate douce l'année suivante par l'utilisation des plastiques. Ça prenait des cultures qui avaient une trame racinaire peut-être moins dense. Donc ça fonctionne bien. On a aussi fait la semence avec de la veste velue, qui est qui est en combinaison avec le seigle souvent là, qui se met à l'automne. Donc, on a eu des bons résultats au niveau de la survie, puis c'est que ça a permis, en fait, de produire de l'auto-semence. Donc, c'est une avenue qu'on regarde aussi pour les prochaines années, parce que c'est une semence qui est très dispendieuse, puis qu'on utilise beaucoup en production bio pour aller chercher l'azote. Et, on a aussi s'est mis à commercialiser, en fait, nos récoltes de céréales d'automne, là, vu que l'implantation était tellement bonne que... pour les premières dates de semis, en plus de produire de la semence, on peut commercialiser vraiment, on peut faire une récolte là, avec les céréales d'automne. Donc ensuite, le deuxième essai, c'était notre essai d'intercalaire. Donc ça, c'est un peu là, les différentes espèces là, qu'on a essayées la première année et la deuxième année en réalité. On a essayé de coloniser dans un premier lieu vraiment les flancs de la butte de pommes de terre la première année. Ça a été un flop total. Deuxième année, on a essayé de coloniser le fond de l'entre-rang, mais vraiment bien le semer avec un semoir. Donc, on a eu une certaine levée, mais on n'a pas du tout réussi là, à avoir un couvert végétal intéressant. Un début de cet essai-là, c'était vraiment de venir à un certain moment dans la saison, quand la pomme de terre est rendue pas mal à la fin de sa maturation, les tiges redescendent et laissent la butte complètement à nu, de sorte que le soleil vient vraiment réchauffer trop intensément le sol, puis la pomme de terre souffre réellement de cette augmentation de la température du sol. Donc, un des buts de ce projet-là, de cet essai-là, c'était d'avoir un couvert qui allait réussir à perdurer au travers de la saison pour au moment où est-ce que le feuillage un peu s'estompe, reviennent coloniser le dessus de la butte. Donc ici, on voit qu'avec ce genre de couvert-là, la photo du milieu, là, veste commune, là, la plante qu'on voit, c'est de la digitaire. Donc ça laisse toute la place aux mauvaises herbes. C'était vraiment pas efficace du tout. Donc d'autres petites photos là, des plantules qui ont beaucoup souffert des traitements qu'on leur a fait vivre. Donc, échec d'implantation complet là, dû à compétition pour la lumière, compétition pour l'eau.
L'implantation est trop lente puis trop tardive là, implantée dans ce contexte-là. Il faut comprendre que là, cet essai-là, il avait été fait en, oh là là, en production conventionnelle. Donc, on était sur un programme d'herbicide là, qui retardait un petit peu nos implantations. Donc, troisième année d'essai. Et la quatrième année, on a fait à peu près la même chose, mais on l'a mécanisé à grande échelle. On a implanté à 10 cm avec la pomme de terre. Donc, au moment de... on a décidé d'aller faire en bio pour ne plus avoir la contrainte du programme d'herbicide. Puis, on a implanté vraiment dans le sillon là, qui est créé quand on sème la pomme de... on plante la pomme de terre, donc à 10 cm. Puis, un peu plus haut, à 5 cm, parce que c'est un petit peu fou de se dire qu'on va implanter des... on va semer du pois, de la vis velue, de la vis commune, puis du régras à 10 cm. Mais il faut savoir qu'en régie biologique, on passe des hercétrés, donc des peignes, à plusieurs reprises pour venir faire le désherbage sur la butte de la pomme de terre, ce qui a pour effet de nous enlever une petite couche de terre là à chaque fois, de sorte que tout ce qui avait été semé à 5 cm se faisait tout simplement, là, la semence s'est fait écarter complètement, a tombé dans le fond de l'entrerang, versus ce qui avait été semé à 10 cm, lui a bien réussi là, à s'implanter. Donc, la première photo à gauche, là, c'est vraiment notre poids à 10 cm. Donc, ça, c'est vraiment la technique qui a fonctionné. Sinon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Là, on a essayé différents mélanges, là, qui ont été, différentes espèces pures qui ont été semées sur la butte. Et puis, il y a certaines qui ont bien fonctionné, certaines qui ont trop fonctionné, comme le sarrasin. Donc, à la fin de cet essai-là, on a décidé de faire différents mélanges et de faire la combinaison aussi là, de faire un mélange et le semer en profondeur à 10 cm. Le mélange qu'on a choisi la troisième année, c'est chia vesvelu sec d'automne, trèfle incarnat et pois. Donc, la dernière année, ce que ça a donné, un poids semé à 100 kg/hectare qui était très, très, très vigoureux, qui est sorti à peu près 10 jours avant la pomme de terre et qui a un peu trop compétitionné là, notre pomme de terre. On a eu des pertes de population. Donc, la ligne rouge, là, c'est vraiment la démarcation entre le poids et la pomme de terre. Ici, la photo n'est pas évidente, là, tout est vert, mais dans le fond, en réalité, ce qu'on voyait là, c'est vraiment le pois avait complètement couché dans l'entrerang et complètement colonisé l'entrerang, de sorte que ces bandes-là, il n'y avait pas du tout de mauvaises herbes. De façon générale, là, les plants de pommes de terre étaient vraiment très, très sains. Et bien que moins présents, il y était très peu de maladies et un peu moins de dommages d'orifères. Ça, c'est notre mélange intercalaire qui a été semé sur la butte puis qui est tombé aussi dans l'entrerang. Et puis, la photo de droite, là, c'est un peu difficile de voir, là, mais au moment de la récolte, on a quatre rangs qui sont plus verts que le reste du champ. Le reste du champ, il est plutôt brun, puis ça, c'est principalement là, l'algigitaire qu'on voit. Donc, le mélange intercalaire, il a vraiment réussi à faire une compétition contre la mauvaise herbe. Il a réussi à nous augmenter notre diversité au champ. Il n'a pas causé de problème à la récolte, mais par contre, il n'a pas réussi à abaisser la température du sol. Donc, notre premier but visé, lui, n'a pas été rempli, mais notre culture intercalaire, là, elle a toutes sortes d'autres avantages. Donc, Samuel, je te laisserai faire la petite conclusion pour cet essai-là. Bien, pour l'essai 2, en général, dans ce qu'on peut dire, c'est que on ne savait pas trop où on s'enlignait avec ce test-là. Il y avait beaucoup de défis, en fait. Fait qu'on a changé plusieurs fois le protocole, mais en bio, c'est sûr que c'est réalisable de faire de l'intercalaire dans la pomme de terre. Nous autres, on va continuer les essais dans ce sens-là. En conventionnel, c'est complexe avec les programmes d'herbicides. Mais ça serait ma conclusion, je pense, pour cet essai-là, c'est qu'il y a de l'avenir pour le volet biologique là-dedans. Oui. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous présenter l'essai 3, qui est les cultures pleine saison. Ce qu'on peut dire sur les cultures pleine saison, c'est que ce protocole-là nous a vraiment permis de comprendre quelles plantes fonctionnaient très bien avec quelles autres plantes. Comprendre c'est quoi la succession de plantes qu'on veut avoir dans une saison,
pour avoir une belle proportion entre des plantes qui sont plutôt lignifiées puis des plantes qui nous apportent beaucoup d'azote. Qu'est-ce qui nous a appris cet essai-là? Qu'on voulait vraiment beaucoup de diversité dans nos mélanges parce que les champs sont variables. Oui, on a migré en fait vers des mélanges simples ou des espèces pures, puis on a été vraiment plus vers des mélanges complexes, apporter le plus d'espèces possible dans l'ensemble de notre rotation. On a vu des effets très bénéfiques à court terme sur nos sols. Quand on implante un mélange au printemps, on le laisse tout l'été, puis qu'on revient au printemps suivant, on voyait vraiment la couleur, juste la couleur du sol qui avait changé. C'était assez impressionnant, fait que c'est un peu l'impact direct que ça a sur la qualité des sols, sur nos rotations. Alors voilà, plus d'engrais verts partout.